Bonjour à tous les amis, c'est Zone Peace et nous voilà pour un nouvel épisode de Pokémon version rouge. Donc voilà, c'est le quatrième épisode, c'est Let's Play magnifique. Et on est de retour dans cette grotte des ténèbres devant le gars de la Team Rocket qui nous a éclaté la dernière fois, hein. Moi je te mets des coups de poing. Qu'est-ce que je raconte? Bon allez. Alors j'ai entraîné mes Pokémon. Magikarp niveau 19. Alléluia. J'ai les pexé à fond. Je l'ai monté de 14 niveaux. Dont un avec le super bonbon, comme j'avais dit. Hein. Donc il a pris charge. J'ai spammé cette attaque comme un fou. Et il manque 900 XP avant qu'il évolue. Donc j'ai soutien avec Arbizarre qui a dû me prendre un ou deux levels. Il a pas pris l'attaque. Roucool. Qui m'a troll parce que je m'attendais pas qu'il monte de level si tôt et du coup normalement il évolue niveau 18. Donc j'ai annulé l'évolution pour vous la montrer quoi. Et Pikachu qui a aussi monté un peu et qui n'a pas pris d'attaque. Donc voilà, j'ai un peu entraîné tout le monde en même temps que Magikarp. On va le laisser devant parce qu'il faut l'entraîner. J'espère bien avoir Léviator dans cet épisode. Donc je vais le faire durer de 30 minutes l'épisode parce que il est assez le dernier était assez long, je veux dire. Donc voilà, on va se diriger vers le prochain dresseur. Donc je me suis entraîné dans le mont Sélénite. Ça va, j'en ai pas trop chié, hein. Les switch et tout. J'ai dû rester 2-3 heures à l'entraîner, hein, Magikarp pour tout. Bon, je faisais ça pendant les rendus, les uploads. Ça allait bien. Oh putain, j'ai pas oublié qu'il y avait ces bugs de son. Les bugs de son. J'espère que le son du jeu est pas trop fort. Attendez, je vais baisser peut-être un peu. Voilà. Parce que j'entendais un peu fort dans mon casque. Ta-ta-da. Ta-ta-da. XP. Donc voilà, il faut battre 12 Nosferaptis comme ça, qui te font chier quand tu fais deux pas. Allez. En fait, j'aurais jamais dû dire, je n'utilise pas l'accélération de l'émulateur, c'est trop cheaté. Puis, comme c'est sur la barre espace et que je l'ai pas changé depuis le début quoi, parce que c'est toujours été sur la barre espace, j'ai la flemme de tendre les bras d'appuyer. Donc du coup j'utilise pas. Même quand ça me fait chier d'attendre 5 ans. Allez, allez. Oui, dresseur. La Team Rocket. Oula, mais j'ai du mal ce soir. La Team Rocket trouvera les fossiles et fera fortune en les vendant. Ratata, bon, ça, niveau 13. J'ai tellement pexé mon Magikarp, quoi. Voilà l'attaque de Magikarp. Charge. Même si t'as 5 niveaux ou 6 niveaux de plus, c'est un gros nul. Je peux vous dire que ça a été long cet entraînement. Très, très, très lent. Surtout qu'il me donnait jamais 157 points d'XP les mobs. Les mobs. Les Pokémon sauvages quoi. Putain. Magikarp attaque charge sur ce Nosferapti jusqu'à qu'il meure. Moi en attendant je vais dormir. Oui, enfin. Ah, ce spam de A que j'ai fait là. J'ai l'impression d'avoir appuyé sur Up depuis je suis tout petit là. Alors, putain, j'ai du mal ce soir. À cause de toi, je suis vert, la Team Rocket me vengera.
Le tapis en noir, pas en vert. Et là, le dernier dresseur. Et oui, parce que là, c'est déjà la fin de la grotte. C'est pour ça que je me suis fait un peu troll dans le dernier épisode. Je me suis fait tuer par l'avant-dernier dresseur. Hé, hey, toi là, ces fossiles sont à moi, pas touche. Ok, t'énerve pas, mec. Non, mais t'es low. On dirait le pire tonticelle. Comme je sais qu'il va regarder cet épisode, je le traîne un peu. Oh là là. Oh là 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 là. On switch. Donc j'ai plus Melofé, je l'ai posé dans mon PC. J'ai juste capturé pour le LOLS. Faudrait que Roku l'évolue aussi, donc je vais le monter à niveau. Et voilà. Pierre, t'es content, j'ai attaqué Tornade. Ah parce qu'il se demandait, mais pourquoi t'utilises jamais Tornade? Tornade, une attaque de type normal, regarde. Type normal. Normal, normal. C'est de la dope. Un Voltorb. Ah. Je vais faire un technique du switch. Parce qu'il faut que Magikarp évolue dans cet épisode. Et comme je pouvais pas le faire évoluer en vidéo, donc je suis obligé de vous montrer la galère de ce que c'est que d'entraîner un Magikarp complètement naze. Oh, j'ai cru que ça allait, ouais. Oh, deux, mon niveau c'est l'inverse de 12, c'est 21. Trop lols. Qu'est-ce que je dis? Alors. Smogo est un peu bizarre dans cette version. Là, son visage est en bas, quoi. C'est un peu bizarre. Oups. C'est pas ça que je vais faire, je vais regarder. 196 XP. Et merde, il évoluerait pas dans ce combat. J'aurais dû regarder pour le coup, tant pis. Ouf, j'ai cru que j'allais me faire empoisonner. Avec la poisse! Non, mais comment il est résistant? Vive attaque! Pour finir, utilise une attaque tornade! T'as pas pu faire un bon coup critique. Bon, ok, on partage. Chez quelqu'un, comme ça, pas de jaloux. Alors, de toute façon, je m'en fous complètement des fossiles, ils vont pas être dans mon équipe. Donc c'est le fossile dôme. Moi j'ai toujours pris fossile dôme, je préfère Camtops à Monistar. Qui moisi, quoi. Ok, je prends celui-ci. Loin d'ici, sur la croix moisille, se trouve un labo Pokémon. On essaie d'y régénérer les fossiles de Pokémon. Ok. Hop. Et voilà. La sortie de la grotte. Au 4, mon sélénité à Azuria. Et oui, encore une route. Bon, celle-ci est un peu moins longue que les autres. C'était 04, je crois que c'est de la dôme, mais je vais vérifier quand même. Ah, je fasse un peu le tri dans mon inventaire. Cyclone, ok, c'est bien ce que je disais. Donc là on peut pas y aller tout de suite, là c'est un peu pour plus tard, je vous spoil pas. Et voilà. Azuria. Enfin. On a atteint cette ville. Soigne, soigne, soigne. A bientôt. Alors, je vais faire le tri dans mon inventaire. Ah oui, parce que non. Dans ce jeu magnifique, l'inventaire peut contenir que 20 objets. Donc voilà. T'as pas intérêt de full tout le temps. Donc on pose. Oh.
J'ai trop spammé là. Donc ça, on va regarder, ça, on va regarder. On pose. Ça, on pose. Et l'autre, on vendra. Et on se barre. Alors, qu'est-ce que tu dis? Sacré Léo! Il donne n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon noir. Ok. Tu connais Léo? Putain, mais tout le monde connaît ce mec. On raconte que c'est un vrai Pokémaniaque. Les gens sont jaloux de Léo. Nous sommes tous des Pokémoniaques, non? Léo, il est magnifique. Il se met des doigts dans le cul et il les sent. Ah, hardcore! Léo a une sacrée collection de Pokémon. Et des rares en plus. Léo se torche le cul après avoir chié. Léo mange des pommes. Non mais s'il te plaît, les gens ils me racontent la vie de Léo, mais qu'est-ce que vous faites? Ce buisson devant la boutique bloque le passage, il doit y avoir un moyen de passer. Ok. Mon mari aime les échanges de Pokémon, si tu aimes collectionner, fais un échange avec lui, ok? Ok. Là le genre va échanger tétarte contre les poutous. Non, ça m'intéresse pas, de toute façon j'ai pas de tétarte. Lui me dit les badges à quoi ça sert, moi je m'en fous. Par contre là, je sais qu'il y a un truc. Je sais plus c'est où. Putain. J'ai jamais réussi à le retrouver. Ah. Donc voilà, c'est pour ça que je spamme un comme un fou. Je peux l'utiliser, ça sert à rien parce que moi ce que quelques pecs a donné et puis hop. Tu fais une encyclopédie sur les Pokémon? Pas mal. Non. Je veux une jolie bicyclette. Cela veut toute route. Plus vite que le vent, plus vite dans le fil. Cycle coco. Qu'est-ce que tu dis? Un vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de porte-bagages sur un VTT. Ok. Ces vélos sont super, mais ils sont très chers. Ah, nous avons justement une belle bicyclette. Ah, mais Lian, c'est super, quel vélo veux-tu? Oh, tu n'as pas assez d'argent, reviens quand tu veux. Je sais pas si on peut l'acheter vraiment avec le million. Jamais si. Astuce, appuyez sur B pour la révolution. Pour l'annuler. Ok, Captain Obvious. Allez, Flagados, attaque, attaque. Mais non, tu m'écoutes, oui. Flagados pionce comme une masse. Ok. Donc on va faire le plein de potions, etc. Le repose, tiens, les Pokémon sauvages à l'écart. Mais tes Pokémon les plus costauds en premier pour une plus grande efficacité. Alors oui, d'ailleurs dans le dernier épisode, je me suis fail. J'ai dit, je n'utilise pas de rappel, je trouve ça pourri et tout. Non, c'était repousse que je voulais dire, c'est juste qu'en anglais, on dit ripple. Et du coup, j'ai inversé. As-tu déjà vu des super bonbons? Quand un Pokémon en mange un, il gagne un niveau. Okay. Il y en a 10 dans le jeu. Donc... acheter... vendre. Non, non. Bon, tant pis, je vais acheter d'abord. On va en acheter 5. On va acheter 5 potions aussi. Hop, bon, bah fail, tant pis. Antidote, réveil, c'est tout ça. Bon, réveil, je vais en prendre deux. Ok, où? Et. Vendre. Potion, Pokéball, j'ai. Sans regarder, sans regarder, sans vendre. Et voilà. Alors, Azuria, arène, Pokémon, champion, Ondine. La petite sirène. Ok. T'es comme ça. Azuria, baignée par une aura d'un bleu mystérieux. T'es un dresseur, capturé, collectionné, se friter, dur, hein. Bah, pas trop. Donc là, on peut se faire l'arène direct, mais je vais attendre de pex un peu, parce que... ces Pokémon sont... 19-21, la championne, je crois. Bon, je pourrais me le faire avec Pikachu et... c'est bizarre, mais je préfère jouer la carte de la sécurité que la carte de... bon, si là, je te nique ta gueule quand même. Donc là, on peut pas y aller tout de suite, mais on ira beaucoup plus tard dans le jeu.
En vraiment la dernière phase du jeu. Ces pauvres gens ont été volés. L'audio Steam 4 est derrière tout ça, c'est sûr. Mais les forces de police ont du mal à lutter. Juste derrière la Steam 4 là. Donc je vais entraîner un Pokémon. Je vais peut-être entraîner Pikachu. What? Qu'est-ce qu'il fait? Non, on va voir l'aviateur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Blue, yo, Red. Alors, tu t'en sors? Moi, c'est le pied. J'ai chopé un tas de Pokémon méga puissants et tétra balèze. Fais-moi voir ce que t'as, petit minable. Ok. Le combat contre Blue direct. J'ai mis Pikachu, c'est pour une bonne raison. Je le savais. Petit Blue faisait appel à Rokus. C'est trop, j'aurais pu l'avoir aussi. Si j'avais pas fait le con, pexant comme un connard. Éclair. Va l'exploser. Il est pas très puissant encore. Je parle de Blue, bien sûr. Mais avec des Pokémon niveau 15, je crois que j'arrive à l'exploser. Sans bras, peut-être une petite des peurs. Donc, il y a une technique si tu veux te soigner dans ce bras. Tu fais Vampirane, après tu fais Mikyu, Trempette, comme ça. Du coup, ça te soigne automatiquement et il faut rien faire. Bon, moi j'ai piqué parce que. À la fin, bien sûr. Il attaque. Un niveau près, il avait Reptincelle. Charge. Il a pas aimé Foilienne. Je. Red avec Blue. Oula, calme-toi, Minam, t'as gagné, ok. Ah, Roku l'évolue. Télé-jou. Tou, 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 Roku évolue en Rokups. Ah, Magikarp évolue. Magikarp évolue en Léviator. Léviator prend morsure. Enfin. Eh, hey, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo et il m'a montré toutes ces Pokémon rares. Et ça m'a rajouté plein de pages sur mon beau Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un Pokémon maniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon par PC. T'as qu'à aller le voir. Bon, je trace. Ciao, Minab. Et là, sérieusement, on commence à avoir une équipe complètement badass. Léviator. Un Rokup, c'est un Herbizarre et un Pikachu, quoi. Ouais. Voilà, c'est l'équipe badass. Mais qui c'est qu'on va entraîner en gros? Allez, c'est Pikachu, mais d'abord on va aller. Je me suis trompé de bouton. On va aller se heal. Bon, il reste 10 minutes, on a le temps de faire quelques dresseurs encore. On va essayer de se rapprocher le plus possible de Léo. Voilà. Donc Léviator a pris morsure, donc pour l'instant. Ah mais oui, je crois.
Il a que ça comme attaque, mais je viens de repenser que j'ai la CT12. Voilà. Donc il a pistolet. Donc j'ai un Pokémon de type eau, pas mal. Allez, maintenant c'est le pont-pépite. Voici le pont-pépite. 5 dresseurs défendent ce pont. Battons-nous et tu seras super content. Tu crois pouvoir y arriver? Bien sûr. Scout fait appel à Chenipan. Bon, tranquille. En avant, Pikachu! Attaque éclair! Attaque éclair! Spam ton ta seule attaque! Mais non, je suis con maintenant, je lui ai appris plein d'attaques. Un Aspico. Non. Il a vraiment une tête de. Voilà. Et. BAM! Coup de poing dans la tête de. Voilà. Vive attaque! Ça c'est bon, c'est fait. Ah, bien joué. J'ai fait de mon mieux, si si c'est vrai. Depuis là, cette phrase, j'ai fait de mon mieux, ils vont tous la dire. Je suis le deuxième, sérieux le plus. La deuxième. Fiette veut se battre, Fiette fait appel à Roucoul. J'ai explosé. Bon, si j'avais attaqué, voilà. Non, mais ce troll, à chaque fois, ça me troll, ça laisse. Là, il serait prêt à capturer quoi. Mais bon, on peut pas, de toute façon, je m'en fous. À chaque fois, ça me troll, ça laisse un PV quoi. Les Pokémon non, sont loin d'être assez puissants. Le mec est bien fou. Les Pokémon complètement badass selon son plus d'attaque. Et il dit que ces Pokémon ne sont pas assez puissants. Casque et des. Ultimum point. Bim. Mais vas-y là, tu l'as. Non. Ouf, je l'ai senti mal. Ça, j'ai de la chance sur le poison pour le moment. Sur pouvoir en poisonner qu'une fois. Pichu monte niveau 20. T'apprends pas d'attaque. Ah non, il a pris niveau 16, je crois déjà. Là, tu m'as battu. Peut-être il apprend une attaque tonnerre niveau 24 ou 25, je crois. Après, je sais pas. Entraîner au coupe, ça, il a un niveau de retard sur les autres. Je suis le troisième, c'est pas gagné. Gamin veut se battre, Gamin fait appel à Rattata. Non, mais j'en ai marre qu'on va des Rattata. Abo. 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 Je vais dormir, vous me réveillerez quand quand ce sera fini. Ah. Un insurapti, putain. J'ai l'impression de tout le temps combattre les mêmes. Je suis sorti des grottes, je combats encore des insurapti. J'en ai marre. Si je pourrais combattre un Pokémon puissant, qui donne du pex, là je peux battre. Il n'est pas un Insurapti, un Rattata, un Abo, un Roucoul. Tous les Pokémon quoi, au début, Chenipan, Spico et tout là. Et je crois là, des Ortiz. Ou des Mystère pour moi. Mystère. Ortiz. Ortiz. Bon, fail. Je crois le deuxième, c'est soit un Ortiz, soit un Mystère. Ortiz. Mystère.
Mister. Mister, mais trouvez une voix de teubé dans la série. Mister. Artid. Artid, je vous étais. Artid. Comment j'ai dit de la merde? Oups. Là, c'est plus loin où il y en a une qui a un moins Mister. Oh, je sais même plus. Allez. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Il n'empêche que Artid. Mister. Mister. C'est le crack. Tu m'as battu. Non. On va mettre Terre bizarre pour le dernier. Ok, je suis le cinquième, je te croyais. Du calme, mec. Calme, donne. Dresseur Junior veut se battre. Dresseur Junior fait appel à Féro Singe. Niveau 18. Ça commence à être badass là. Bon, bah voilà. Je disais donc, ça commence à être merdique les pouces. Ah, purée. Hey, t'es qui toi là? Je croyais qu'avec 5 dresseurs. Félicitations, tu as battu 5 dresseurs. Tatatata. Tu as gagné un fabuleux prix. Oh, une pépite. Vas-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Oui. Nous sommes des dresseurs de Pokémon très méchants. Oui. Ça t'intéresse? Oui. T'es sûr? Oui. Allez, viens. Oui. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais me montrer plus persuasif. Mais c'est pas la peine, je vais venir. Je veux violer les Pokémon. Voler les Pokémon, pardon. Ah. Belle père. Non, mais j'ai dit, je voulais arrêter de combattre ce Pokémon. Oups, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Polotto. Ah, c'est pas trop tôt. Ouais, bizarre, hein, t'as mis le temps. Oh putain, il y a que des Pokémon chiants. Ah, t'es trop fort. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Alors, je sais que là, je vais vous montrer. Ici, là, il y a un dresseur. Mais je me le ferai pas. Pour une bonne raison que vous saurez plus tard, peut-être qu'il y en a qui savent. Donc ça c'est Cage Éclair, il me semble, donc je vais pas l'apprendre, ça sert à rien, j'ai déjà. Je le fais pas tout de suite, tout simplement c'est pour pouvoir vous montrer un peu quelque chose d'intéressant. Et lui en haut à droite de l'écran là, le gamin, je me le ferai pas non plus, à moins que ce soit l'autre. J'arrive jamais à savoir c'est lequel. Bon, je me ferai. Il y a deux gamins, je me ferai pas parce que je sais jamais c'est lequel. J'arrive de mon sanité et je suis prêt. Pour la même raison que l'autre qui est à gauche du pont pépite là. C'est pour plus tard, vous verrez. C'est une petite surprise à la fin du let's play. Karaté. Herbizarre, attaque Foliane. Herbizarre monte au niveau 22. Poudre toxique. Non.
Non, non, il apprend poudre de dos dans une nouvelle génération, mais là il l'apprend pas parce qu'on peut apprendre une seule attaque par niveau. Il l'apprendra à un niveau supérieur, il me semble. Et on va tester notre Léviator, qui est comme une classe juste derrière, et du pistolet à eau. Voilà, voilà, voilà. On arrive. Putain, balèze. Ah, je me suis fait mordre par un ancien petit. T'es déjà con, toi? Bon, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Je commence à dire n'importe quoi. Voilà, dans le prochain épisode, je pense qu'on continuera par là sans combattre les guns, les gamins. Entre temps, moi je vais soigner mon équipe, je vais pas l'entraîner. Donc voilà, on se voit dans le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.